Bon les gars, là, je suis dans le vlog alors que c'est pas mon vlog, c'est pas pour Hey, attends, dis bonjour. Roxy Stars, je sais pas pourquoi elle force. Roxy Stars. Elle force grave à être dans son vlog, je comprends pas. Bah en fait, tu m'as sert. Wouhou, I love you. Arc. Alors demain, je pars pour, comment ça s'appelle déjà? En Italie, en Sicile, pour poser, non pour la French Gang PLT, pour poser, pour un édito sur le site. Un truc de star. Hein. Je pars toute seule, il n'y a même pas Farida et tout, je suis stressée. Il m'aime pas, wesh. T'inquiète pas. Ok. Tu vois, on fait toujours les mêmes poses et tout et tout. Et ben avec Farida. Après, on fait toujours, après, on critique sur Insta parce qu'à chaque fois, il y a un moment à côté de ma tête. Je sais pas quoi faire, on sait pas poser, wesh. Tu vois. Encore, oh, ça passe. Mais moi, de quiero, heureusement, c'est non, pas moi d'être. On va aller dans un coin et on va s'entraîner à poser. On va regarder des vidéos et tout pour poser. Et regarder nos tenues pour poser. Oui, bah, on s'entraîne. Hein. Franchement, c'est un entraînement. Moi, je m'entraîne, on sait pas pourquoi, mais on va s'entraîner. J'ai réfléchi à plusieurs poses. Déjà, elle m'a montré déjà un truc. Et vous attendez. En fait, là, on est en train de vous dire et tout. On s'entraîne à poser. Quand vous allez voir que les photos sur le site, elles sont archi gang, faut pas me vanner parce que ça se fait pas. Peut-être qu'elle va paniquer et tout, mais dans tous les cas, là, en tout cas, là, je vais m'entraîner d'abord. Bon, on va au parc. En général, je regarde toujours la vidéo qui va avec, tu vois, ce qui est logique, pour voir comment ça va au mannequin. Du coup, ah, tu veux me critiquer? Non, je sais pas, t'inquiète. Trop belle. Et du coup, j'ai regardé un peu, mais ça se voit, je vais pas réussir à refaire, après on va me critiquer. Vas-y, vas-y, fais, fais. Avant de marcher, parce qu'à un moment, tu dois marcher, tu vois, pour partir, après tu regardes la caméra et tout. Et en gros, elles lèvent leurs pieds comme ça, et après elles marchent. Vas-y, refais, parce qu'on dirait un cheval. Ah merde, faut pas que je fasse ça là. Ah ouais. Mais après, faut marcher doucement. Et pour regarder, j'ai niqué. Faut marcher doucement. Et faut pas lever trop en fait. Je sais plus comment. Faut que je re-regarde. Parce que là. Et après, parce que tu... regarde la caméra. Et toi, tu dois me suivre. Trop... Ah ok, vas-y, vas-y. Attends. 1, 2, 3. À ton tour de faire le cheval. Allez, lève le pied un peu. En fait, c'est ça que je t'ai montré. Oui. Ben, du coup, c'était pas comme ça. Ah, les gars, on va dormir ici. Et ça aurait pu être une vidéo, ça, non? Ça, c'était l'entraînement de Ambre pour les vidéos PLT. Mais je pense qu'elle n'a pas trop le droit de faire comme ça. C'est interdit. Mais si, hein. C'est comme ça que je vais faire. Ah, ah, ah. C'est interdit. Après, je vais faire cheval. Cheval, là, ça a donné. Et mon épaule, je l'avais comment? Mets-la un peu en avant pour voir. Voilà. Et oublie pas de bien lever le cou toujours pour pas être tassé, genre. Là, ça va. Le cul un peu plus, hein. Franchement, on donne tout. Hein. Ok. Ben, ça... Je vais le faire un infractus. Non, là, j'aime bien, ouais. J'aime bien comme ça. It's giving. Waouh. Bouge tes cheveux. Vas-y, on... regarde la caméra, trou de cul, va. Voilà. C'est parfait. Donc là, on est rentré à la maison. Donc là, il y a Théusson qui est en train de... qui est en train de brushinguer ma perruque parce que trop star. J'ai je suis bloquée. Moi je travaille. Non, et... De base, c'est le moment où je prends mes jambes à mon cou et que je prends ma voiture, je rentre chez moi. Maintenant, je suis bloquée, je vais faire comment? Mais elle a fait la meuf. Et quand elle est partie d'elle, je lui ai dit, hey, prends ta voiture parce que moi, je vais pas te déposer, je te voyage demain. Personne veut venir me chercher. Mais c'est toi? T'as une voiture pour quoi? Mais parce que j'étais chez moi. Ah, j'étais chez moi. Voilà. Maintenant, Théusson maintenant. Franchement. Voilà. Merci, t'es trop belle. Waouh. Ta gueule. Putain, j'allais dans mon lit en train de regarder Elite. Maintenant, tu lis. C'est un com-com dans Elite, wesh. Quoi? Voilà. Pourquoi? Un com-com dans Elite, un personnage com-com. Et il a dit, je suis. Il a dit, je fais des cumeurs. Non, je suis du cumeur. Je suis cumeur, il a dit. Waouh, vous avez percé. Coucou les gars. Alors là, je viens de quitter chez moi. J'étais un peu en retard, mais ça va. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai mis mes lunettes pour faire genre, tu vois. Je viens de me réveiller. Mais en fait, j'appréhende parce que je suis un peu toute seule, tu vois. Mais comme je suis sociable, je pense que ça va bien se passer. Et c'est le premier vlog sur la chaîne où il n'y a pas Farida. Enfin, si elle sera là, du coup, vu qu'on a filmé hier, parce que je voulais pas qu'elle soit pas là. Mais genre, pendant tout le voyage et tout, elle sera pas là. Ça va faire bizarre.
bref, je vous reprends quand j'arrive à l'aéroport. Du coup, on est avec Emma Sherman, Femme de Chirole. Et du coup, on est parti acheter à boire. Là, il y a Ibtissam et Jade. Et voilà, on est arrivé. On attend, attend. Ah, c'est vite fait. Mais c'est un coup de goût. Je sais pas où est la mangue. D'accord. Je passe à côté. C'est pas la météo. Il pleut. La météo annonçait la pluie, mais God is great. Là, il fait très beau et très chaud. Oui, moi, j'ai pas pris d'habit pour être chaud. Vous allez me dorer la pilule. Je vais bronzer. On va rien dorer. Alors là, on vient d'arriver à la villa. Regardez. Petit jacuzzi. Carrément, il y a des panneaux et tout. Ah non, trop speed. Là, la villa est incroyable. Mais même le jacuzzi, il est prêt. Ouais, tout est prêt. Là, on arrive dans ma... J'ai un loft toute seule, ça a été tiré au sort. Ça, c'est mon salon. Hop, hop, hop. Petite télé, canapé. J'ai une cuisine. Une vue incroyable. Un premier balcon, parce que j'en ai deux. Là, c'est que pour moi, hein, genre là. Hop. Ensuite, de l'autre côté, il y a... Et c'est une dinguerie. Ma première salle de bain. Bellissima Ambre. Ouf. Donc voilà, première salle de bain, enfin toilette. Ouais, c'est des toilettes, c'est même pas une salle de bain, c'est des toilettes genre. Hop, peignoir. Hop, hop, hop. Bélier, c'est moi. Là, il y a des petits cadeaux. Yes. J'arrive. Venez, venez dans ma chambre. Et là, deuxième salle de bain. Hop. Non parce que genre les toilettes elles sont archi grandes, j'ai cru que c'était une salle de bain. Donc là c'est la salle de bain, ma salle de bain. Et l'autre côté c'est les toilettes. Et... Ah t'es bélier toi. Ouais, incroyable, trop trop bien. Oh my god. Mais par contre je suis tout en haut. Ah trop trop bien. C'est ouf, c'est énorme. Ouais. Là c'est la chambre, enfin le balcon. Il y a les filles. Hop. On voit une vue incroyable. Là, c'est la chambre de Jade. La salle de bain de Jade, du coup. Trop bien. Je redescends. Il y a trois étages. Hein. Ah non, c'est la chambre de Cali. Putain, je me suis perdue. Là, il y a une autre cuisine. Il y a une autre cuisine. En bas, il y a trois cuisines, du coup. Enfin, avec la mienne. Là, c'est la chambre de Cali. Trop jolie. Oh my god. Attends, c'est où? Ouais, là. Je suis en train de me perdre, là. Alors là, je sors de la douche. Bon, je me suis bien installée. J'ai ouvert mes valises et tout et tout. Trop, et franchement, tout le monde est super cool. Je suis archi contente. Premier voyage presse, franchement, ça se passe super bien. Donc là, je voulais... En fait, je me suis posée, je voulais m'assoupir et tout. Après, j'ai dit non. Surtout pas. Ça se voit, ce soir, on va grave dormir. Il ment. Ces messieurs ment. Est en train de mentir. Parce que tout le monde est un peu KO. Du coup, on va faire le programme, c'est quoi? C'est soirée pyjama, chill et tout, bien, genre un truc cool. Je vais me maquiller, je vais essayer de shooter un petit peu, un petit truc. Et ensuite, je me mets en pyjama et c'est parti pour la soirée. Alors là, j'ai fini de me préparer. Du coup, je pense que je vais mettre des fossiles quand même. Mais des petits, genre... là, je vais remettre... un truc hydratant parce que je veux un maquillage, un wet look en fait. Hop. En plus là, on vient de me dire d'aller à table alors que j'ai pas fini.
Pembe, elle était là tout de suite. Elle est pas repartie. Du coup, elle venait juste d'arriver. Et on nous a dit d'aller à table. Je sais pas si j'aurai le temps de shooter avant de manger, mais je vais faire vite. J'espère que ça va passer. Je sais pas si vous voyez le wet look là. Bon, la luminosité, elle est pas au top. Mais j'espère que vous allez bien voir le wet look. Putain, dommage, ma chambre, elle est pas comme ça. Parce que c'est le cadre, il est mignon. Je vais essayer de filmer demain matin avec la lumière du jour qui va rentrer. Là, ça sera top. Eh, ça me fait rire comme je croyais que j'allais faire plein de trucs. MDR, moi. C'est une trop bonne soirée avec les filles Miley, Sherman, Pembe et moi. On voulait pas aller dormir, on a veillé jusqu'à un, mais j'ai pas vlogué. Alors là, il est quelle heure? 3h? Ouais, 3h30 du matin. Finalement, Sherman, elle est venue dormir avec moi parce que Miley s'adore déjà. Et vu qu'on a parlé, rigolé, tout ça avec Pembe et Miley, et ben Miley s'adore et du coup, Sherman, faut pas qu'elle réveille. Du coup, elle est avec moi. Oh my god, j'ai la chance. La chance, mon pote, comme moi. Voilà. Et donc, je t'invite dans mon studio. Et archi, la chambre, elle est archi grande. T'as vu? Donc, son lit, il est énorme. Je veux partager. Donc voilà, bonne nuit. On se réveille dans 3h30. Donc on va pas trop. Voilà, on va aller dormir. Allez, bonne nuit. Alors là, je viens de me réveiller avec Sherman. Il y a Maëlys qui vient de me réveiller. Moi j'ai dormi 4h. Bah, un peu moins, carrément, un peu moins de 4h. Là il est 8h30. Donc c'est le petit déjeuner. Et bon, je vais rejoindre les filles et tout. Franchement, j'ai bien dormi. Pour 4h, je pense que ça va le faire. J'espère que la journée. Toi, je pense que la journée ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Salut les gars. Coucou, t'as bien dormi toi? Oh mes yeux. Et mais moi c'est surtout que j'ai mes lunettes en mode de... Voilà, la star. Toujours est une vue incroyable. Franchement, allez, on va manger et après on va bosser. Et les pompes, tu vois. Et la elle s'est mise par terre, elle a commencé à faire des pompes. Elle est en robe prédictionnelle, bien la jambe. Et les pompes. Non, j'ai compris. Elle fait sans pompes. Alors, ses chaussures sont toujours assez hyper. Elle nous a ricolé. Et elle lui dit, tu comptais faire quoi là? Elle lui dit, mais je sais pas, elle m'a dit faire sans pompes en fait. C'est-à-dire là, elle s'était mise. Genre, tu comptais faire les sans pompes. Rigoler. Et c'était trop marrant. Alors là, je sors de la douche. Ce qui va se passer, c'est que là, on doit se faire maquiller. Première fois de ma vie. Donc, je vais laisser entièrement mon visage à quelqu'un. J'ai peur. Donc là, après ça, ça commence pour de vrai. On va shooter un premier look éditorial. Et du coup, je suis stressée et je suis fatiguée. Mais genre, l'excitation, elle prend le dessus sur la fatigue. Du coup, je suis stressée. Enfin, je sais pas comment je le ressens, mais on va voir. Alors, coucou les gars, depuis tout à l'heure j'ai pas vlogué. Vas-y, c'était chaud, on a shooté tout ça. C'est chaud, la course, on est fatigués. Ok, je l'ai cru. She's getting. Yeah. Et ouais, donc, oh merde. On dirait un vocal que l'on ouais. Du coup, là on va shooter ouais, encore. Attends, de toute façon ça sera monté. Genre là on va shooter dans un hôtel. J'ai oublié ça s'appelle comment c'est le nom. Je sais pas. Le truc bay. 6 étoiles.
Ouais, en tout cas. Atlantis B. Voilà, Atlantis B. Et bah, on se retrouve là-bas parce que je suis fatiguée. Fatigué. Franchement, on est fatiguée. Ah non. Fatiguée. C'est trop. On est franchement. Allez. Allez. Allez, bisous. Allez, ciao. Tu dis qu'on va crever non, bah. On s'est dit, ouais, franchement, deux autres prendre le vol. Non, mais tu trouves pas qu'il est moins bon pilote? Oui, parce qu'il manœuvre plus, mais essaye de le faire, toi. Alors c'est là où on va shooter. On est dans un hôtel qui est incrusté dans la roche. Je sais pas si on peut voir là. Du coup voilà, c'est la vue. Hop. Balcon, ça c'est une autre chambre. Et ça c'est la chambre. Il y a une toute petite piscine là, toute mignonne. Donc du coup on va shooter là. La chambre, bon, on est rentré, on a un peu truqué. J'ai vu comment tu m'as regardé. Oh my god. mais pas là. Voilà, du coup la suite, ça c'est la chambre avec un lit king size. Je sais pas, on va shooter où. Du coup voilà, la piscine elle est en face du truc. Hop. Bon, vous avez capté, c'est quel genre des. C'est quel genre. Voilà, ça fait de bain. Waouh! Et après, ça donne vue sur la piscine. Je sais pas, je comprends pas assez. Mais j'avoue, c'est fou. Ah ouais, genre, tu te poses, tu regardes la télé. De toute façon, là, je sais même pas c'est quoi, c'est encore la salle de bain. Je comprends pas. Là, c'est quoi? Salle de bain? Enfin, je comprends pas. Il y a plein. Je comprends pas, c'est quoi? Je comprends pas. Là. Franchement, je comprends pas. Je marche, je comprends pas. Attendez, je vais ouvrir une porte au hasard. Ça s'ouvre pas, c'est bien. Alors là, on est au restaurant. Le restaurant de l'hôtel. Du coup, on a fini de shooter. Bon, j'ai pas filmé quand on shootait parce que, ben, en fait, on est trop dans le speed. Du coup, j'ai pas filmé quand on shootait parce que on était grave dans le speed. En fait, on était grave dans le speed. Quand on shoot, franchement, ça va trop vite. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer ce qu'on faisait. En tout cas, là. Eh bah, mais elle a dit ce soir c'est chaud. Ce soir. Racontez avec ce soir. C'est ça, Gigi. Ce soir, c'est chaud. Les croustilles. Ce soir, je dors. Ah bon? Tu déconnes, petit. Jacuzzi, c'est mytho. On fait jacuzzi là? On fait jacuzzi. Ouais. Moi, je vais d'abord laver, ouais. Ah ouais. J'ai trois tonnes. Lavez vos cheveux? J'ai un Invisalign. Ah ouais? Non. Mais qu'est-ce que c'est, quoi ce flash? Coucou les gars, alors là, c'est le jour 3 et je viens de me réveiller et tout. Attendez, je fais la meuf. Je viens de me réveiller là. Je suis fatiguée. On va faire le petit déjeuner. Elle a trop bien. Il fait le temps, il est moins couvert qu'hier. Bon, vous n'allez pas bien voir et tout, mais ah, c'est quand même, ça se voit. Le temps il est moins couvert qu'hier, on est trop content. Donc on va petit déjeuner là. On va petit déjeuner là. Après ça a pété. Pété. Après les autres, je sais pas, elles sont KO. Elles ont dit elles mangent pas. C'est Kali. Ouais, Kali et Pembe. Ah. Ah. Non. Juste qu'elle a dormi à 1h, elle a pas suivi le donjon. Donjon. Ouais. Vous kiffez au final. Elle a dit ça sur le donjon. Ah ouais, c'est toi sur le donjon. Tu portais le donjon, c'est ma chambre. C'est. Tu vois. Oh, chez toi. Maïs t'a raté. Tu sais quoi, si t'as raté en fait. Donc là on est posé, voilà, il y a la vue, tout ça. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va aller préparer. Moi je crois que je vais laver mes cheveux pour avoir une équipe sur les cheveux. Je vais laver mes cheveux en équipe sur les cheveux. Et je vais venir avec mes cheveux, il va me les planter et il va mettre les cheveux sur les cheveux. Mais du coup je sais pas comment il va la passer, je sais pas quel direct mettre. Donc on va me le faire, Et du coup, voilà. On verra bien. Et voilà, ça a l'air de vous dire. En fait,
Hey, c'est trop dur de vous dire, je me jure, mais je travaille trop. Dis-le, s'il te plaît. Non, même moi, pour mon téléphone, snapper. Ouais, c'est dur, genre, c'est dur à moi. T'as pas le temps. T'as pas le temps, mais en plus, on est là. Il y a trop de trucs, c'est comme une télé-réalité. En fait, en gros, on doit snapper, du coup. Parler. Ouais, genre, on doit s'amuser, forcément, on doit travailler. On doit faire plein de trucs, et du coup, bah, c'est chaud de bien vlogger. J'espère que la vidéo sera cool quand même. Vous voulez de la merde, tout ça, pas taper. Donc vas-y, là j'ai préparé, je vais essayer de finir la préparation, mais franchement je vais prendre le reste parce qu'après, quand je finis la préparation comme l'heure, après je vais finir un autre, donc c'est chaud. Donc du coup, bah, je reviens avec ma poudre et tout, et j'espère que là je vais bien vous aider aujourd'hui, pour pas que ça passe bien. Hola, hola, c'est Charmaine, on vient d'arriver dans la ville, donc c'est moi qui vais vlogger, que vous aimez ou pas ma voix, c'est comme ça. Donc là, on va monter les escaliers. C'est vraiment compliqué pour les grosses comme moi, mais je vais prendre sur moi. J'ai chaud, hey, ma perruque là, je peux plus en fait, ça continue comme ça. Moi je vais commencer à déposer la perruque en Italie. Mais toi t'es une madone en fait, ouais, une madonna siciliana en fait. Monica Bellucci. Monica Bellucci en fait. Vous m'avez moqué. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Monica Bellucci, t'es un marron quoi. Ah ouais, c'est joli. Trop belle, trop bien, j'aime bien. Yes, continuez, continuez. Waouh! N'oubliez pas, plus vous allez vite, plus on va vite manger. Ready to make some pizza? Yeah! Yeah, I'm very hungry. Pizza! I'm not eating depuis hier. Yeah. Yeah, tout le monde, wow, sexy girl! Quoi? Je te filme, hein? J'ai fait atelier pizza, j'avoue, j'ai pas fait parce que j'étais fatiguée! Horrible! Non, ouais. Je l'ai pas bien, vite fait. Non, mais je l'ai pas fait, j'en ai pas. Genre, là on a fini les ditos et tout. Hop hop. Excuse-moi, tu montes pas ma pizza? Ah si, ta pizza, waouh. Ça c'est la pizza que Pembe elle a fait. Waouh. Avec son tablier, waouh. Non. Mais toi, tu veux pas manger ta pizza. Donc là, on va manger les pizzas. Elle doit manger sa pizza, la flemme, ouais. Elle doit manger la pizza qu'elle a fait. Oh my god, heureusement que je l'ai fait. Moi, je veux la pizza qu'ils ont fait. Ton ressenti par rapport à l'édito. Allez. Très beau voyage. Ouais. Très bonne expérience. Ouais. Très bonne team. Ouais. Très bonne rencontre. Waouh. Et non, ça s'est bien passé, hein, à part que je suis très fatiguée. Franchement, ouais. Et que les petites soirées jusqu'à 4h du matin vont me manquer. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Non, le type de soirée, c'est ce qui se passe en Sicile. Reste en Sicile. Et dans ma chambre aussi. Alors, toi, puis tu ressens-tu J'ai fait des rencontres incroyables. Mmh. On a fait des petites rencontres incroyables. Mmh. Et je vais manger une pizza incroyable. Je sais pas, découper des calibres. Y'a pas, elle rigole déjà. Yeah. Allez, à toi. Alors, c'est quoi la question? Ah, Marina, c'est toi. Mange avec les doigts. Oui, mais ça, c'est... Ah ouais? Je savais pas. Couper la pizza là-bas. Bah, la pizza, elle arrive. Genre pas coupé. Non. Waouh. Waouh, quelle italienne, waouh. Donc voilà, on est dans l'une des meilleures, la meilleure pizzeria d'Italie, à ce qui paraît. C'est le champion d'Europe de pizza qui nous a fait cette pizza toute grillée. Je comprends pas trop, mais vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. Mais tu vas ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, si dans tes danses, je me danse des heures. Avec son assiette. Ça va les gars? Alors là c'est le dernier jour, vos impressions?
n'a pas envie de rentrer. Personne n'a envie de rentrer, tout le monde est fatigué. Ouais, de ouf. Ma maille est là, c'est pas j'ai pas entendu parler. Et ça fait plus de temps que je elle a des pressions. Hein? Tout le monde est triste là. Oh, Michel.